j'entends de la musique, j'entends une mandoline. La bricole, c'est ça? Ah, c'est nous, oui. Ah ben voilà, la bricole, hein. Les musiciens qui chantent des chants marins. Comment a commencé cette aventure de la bricole? On se connaît tous depuis une vingtaine d'années autour des musiques traditionnelles d'un peu partout. Moi, je suis le seul, on est tous du Pas-de-Calais. D'accord. Mais moi, je suis boulonnais, voilà. Et combien de chansons vous avez dans le répertoire, à peu près? Ah, ça, c'est une bonne question, parce qu'au début, quand on a commencé, on s'est demandé si on avait assez pour faire un spectacle. Parce qu'on avait 5-6 chansons au départ qui avaient attiré notre oreille. Et pour finir, on a fait un premier album en 2016 qui s'appelle Ne vous faites pas marin, uniquement avec des chansons du boulonnais, 14 chansons. Donc ça a été bien accueilli, parce que c'est quelque chose de nouveau dans le répertoire, dans le milieu des chants de marins, quoi. Mm-hmm. Alors je vois que vous avez tous les trois les instruments atypiques. Est-ce qu'on peut voir l'accordéon? Ouais, bien sûr. Parce qu'il est rare, cet accordéon-là, quand même. Hein. Ouais, c'est un accordéon un peu spécial. C'est une main droite qui vient de ce qu'on appelle l'accordéon diatonique. Mm-hmm. Donc qui a des sons différents selon qu'on pousse ou qu'on tire. Et la main gauche vient des accordéons chromatiques. D'accord. Et donc c'est un accordéon mixte, mais sur un format qui est très petit et qui est assez léger. Ouais. Et si on laissait parler la musique, non ou pas? Ce serait pas mal, ouais. On fait ça? Quand descend le soir dans son cachot noir, un pleure à 20 ans parfois, et sans savoir pourquoi, on souffre et on meurt. Rien pour avoir fait en an s'engager. Une méprise, vous qui m'écoutez, ne faites donc jamais cette bêtise. Vous qui m'écoutez, ne faites donc jamais cette bêtise.